Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. Mes chers amis, chers compatriotes africains, peuple des peuples, peuple élu parmi les peuples, c'est pour vous que nous sommes ici, c'est pour vous que nous parlons au quotidien. Je voudrais partager avec vous cette information que nous venons d'avoir, une information qui fait la une des journaux un peu partout, en Afrique, dans le monde, aux États-Unis, même en Russie, en Ukraine, partout dans le monde on en parle. La mort de Prigogine. Prigogine qui est le patron de Wagner, on nous a dit qu'il n'est plus. Nous avons donc vu les images que vous voyez là, que nous avons, nous partageons avec vous en ce moment même, pendant que nous parlons. C'est des images qui n'ont pas de son, pas de commentaires, et que je partage avec vous, que vous voyez là. C'est-à-dire que c'est un avion privé. On dit que le crash de l'avion serait... L'agence russe du transport aérien a confirmé que le patron de Wagner, Prigogine, se trouvait à bord de l'avion qui est tombé. C'est triste, mais comme je vous dis toujours, d'après la lecture, il y a eu 10 personnes qui étaient à bord de cet avion. Les 10 personnes sont toutes décédées. La vie est une succession de paragraphes qui se suivent, mais qui ne se ressemblent pas, mais dont l'histoire n'est qu'une suite des événements. Le paragraphe Prigogine vient encore d'être écrit avec des nouveaux mots. En ce moment, le crash d'un avion, la mort, la disparition de Patrick Wagner. Le paragraphe précédent nous parlait du déménagement de Prigogine vers un pays voisin. Le paragraphe d'avant nous parlait de Prigogine qui a tenté un coup d'État ou bien un soulèvement en Russie. Mais avant, on parlait de Prigogine du côté de l'Afrique, et entre-temps, on parlait de Prigogine avec ses éléments du côté de l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est un nouveau paragraphe qui est écrit, le paragraphe de la fin de Ergoné Prigogine. La vie est ainsi faite. J'ai un souvenir que j'ai partagé avec vous, une publication avec titre « Le traître Prigogine ». Ceux qui sont dans la fonction publique, ceux qui travaillent dans les services de renseignement. Vous voyez ça au Cameroun avec M. Biya. M. Biya, bien qu'il soit un piètre dirigeant, bien qu'il soit un piètre président, le plus nul des nuls, mais il a une particularité, c'est qu'il est un tueur froid. Tu t'amuses avec son régime, il t'abat comme un chien. Il utilise tous les moyens de tabac. Pour ceux qui connaissent l'histoire, souvenez-vous de celui qui avait giflé Paul Biya. Vous connaissez son nom, ce n'est pas moi qui vais vous le donner. Cherchez son nom et vous me le proposez, d'ailleurs je vais confirmer. Qui avait giflé Paul Biya alors qu'il n'était même pas encore président. Vous vous souvenez qu'il y a certains qui sont en prison, d'autres qui ont même été tués, d'autres qui ont été dépecés dans leur chambre. Des colonels qui ont été exécutés en route par accident d'avion. Vous savez qu'il y a des accidents, il y a des meurtres qui peuvent facilement passer inaperçus, c'est-à-dire le poison. Il est difficile à détecter qui vous a empoisonné. Il y a l'accident de la route. On considère que c'est un accident de la route. Donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. You know? Il y a aussi des tueurs embusqués. Donc au Cameroun, quand tu travailles avec un président, il y a trois façons de faire. Ou tu travailles avec lui, tu exécutes, tu es promu, et plus tu en sais, plus il est facile qu'on t'exécute. Deuxièmement, ou alors tu décides de partir et d'aller parler ailleurs, sachant que tu es toujours exposé à un assassinat, à un enlèvement, à un crime, ce qui est d'ailleurs arrivé à notre compatriote, le capitaine que vous connaissez, qui a continué son combat comme nous continuons aussi. Donc c'est pour ça que nous sommes exposés tout le temps. Le temps passant,
Biya a mis de l'argent avec celui qui est en prison en ce moment, le commissaire Ekoueko Maxime. Ils l'ont retrouvé, ils l'ont tendu un appât, il a mordu à l'hameçon, ils l'ont exécuté. Alors, troisième moment, c'est que tu décides d'être un homme de main jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu meurs comme une tombe. Parce que quand tu es un homme de main qui parle beaucoup, tu exposes tout le monde. C'est ce qui était le cas de celui qui est parti là, trop bruyant, trop bruyant. Bon, les conséquences, c'est que tout traître meurt avec une balle dans la tête, un torchon dans la bouche, un bâton dans le cul. Je reprends. Tout traître meurt avec une balle dans la tête, un torchon dans la bouche, un bâton dans le cul. Allez réécouter ma vidéo parlant de Prigogine, il y a très peu de temps. Il suffisait d'être un bon lecteur de l'actualité et un bon lecteur de l'appareil sécuritaire d'un pays. Alors, avec la Russie encore, ça devait être quelque chose de très terrible, parce qu'avec Poutine, c'est un stratège. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr et certain, c'est que d'une façon ou d'une autre, le bonhomme paye le prix de quelqu'un qui a été corrompu. Parce qu'à un certain moment, il se croyait très puissant au point de pouvoir influencer les décisions de Vladimir Poutine qu'il a fabriquées. Je vous rappelle que c'était un cuisinier, on l'appelait même le cuisinier de Poutine. Il a donc avait été approché. Je vous ai dit ça dans la vidéo précédente. La Russie est l'un des pays qui écoute plus, les trois quarts des pays au monde. Elle écoute. Parce qu'elle a un système d'écoute téléphonique que personne n'a encore réussi à débloquer. La seule façon pour Poutine de ne pas t'écouter, c'est de ne pas utiliser le téléphone. Si tu veux que Poutine ne t'écoute pas, n'utilise pas le téléphone. Fais comme Chirac. Chirac, régulièrement, pour parler avec ses invités, qu'est-ce qu'il faisait? Il vous prenait, vous allez marcher dans le jardin, vous parlez en plein air. Vous avez vu que le président Hollande s'est plaint qu'il était écouté par les Américains. Angela Merkel s'est plaint qu'elle était écoutée par les Américains. Tout récemment, c'est Emmanuel Macron qui s'était plaint d'être écouté par les Marocains et puis avec une application développée par les Israéliens. Pourquoi Poutine ne parle jamais de ces choses-là? Parce que lui, il écoute tout le monde. Très puissant, Vladimir Poutine. Donc, quand tu travailles avec un monsieur comme celui-là qui ne parle pas beaucoup, fais gaffe, c'est son métier, c'est un gars du KGB. Donc, celui-ci, on ne sait pas, est-ce un règlement de compte ou alors on a essayé de le faire taire. Mais, ce qui se passe à côté de vous, si vous ne faites rien, vous êtes une victime en sursis. Ça veut dire que vous qui avez suivi ça doit vous inspirer quelque chose. Ne parlez pas trop des choses que vous ne connaissez pas. Vous travaillez avec un président, n'exposez pas publiquement. Vous travaillez avec un chef militaire, n'exposez pas publiquement. Sachez donc que vous avez acheté votre mort vous-même. Ou vous partez, coupez tout lien comme nous autres. On a coupé tout lien, on part, on dénonce pour sauver la masse. Mais si tu es là-bas à l'intérieur, tu dénonces pour ton intérêt personnel. Parce que tu veux. Non, 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 on te liquide tout de suite. Donc les images que nous suivons là, que nous regardons, malheureusement, les images, on ne parlera plus maintenant de Ergoni Prigogine, ça se dira maintenant par le passé. On parle ça de toutes les télévisions. Les autorités de l'aviation civile russe disent que Prigogine figure sur la liste des passagers de l'avion qui s'est écrasé en Russie. Tout simplement. Donc vous devez comprendre que la vie est ainsi faite. Une page se tourne. Une autre va recommencer, même dès demain matin, un nouveau patron de Wagner va être nommé, ou alors Wagner va complètement rejoindre l'armée, puisque c'est ce que Poutine avait demandé. Et Prigogine jouait au dur. C'est lui-là qui t'a fabriqué. Tu te poses à lui. C'est-à-dire que Poutine dit que les militaires, là, les éléments de Prigogine, là, allaient rejoindre l'armée. Toi, tu dis non. Alors que tu fonctionnes avec l'argent que Poutine donne. Il faut faire très très attention, les gars. Faut faire très très attention. Alors, on parlera maintenant de Ergoni Prigogine au passé. Quelqu'un d'autre sera nommé, ou alors tous ces gars-là vont rejoindre, et puis maintenant, la vie continue. Et c'est parti, ça va aller trop vite. Poutine, lui, n'est même plus dans ce sens-là. Il allait trop, il est à autre chose. Vous avez vu le président Poutine sortir, faire des discours, parler au peuple russe avec un air grave.
à cause de Ergony Prigogine. Malheureusement, c'est une fin tragique. Un seul mot, le combat continue. Un autre paragraphe s'ouvre, on continue le combat. Je voulais donc rapidement partager ça avec vous. Vous qui avez la bénédiction de m'écouter ce soir, et moi qui ai la grâce d'échanger avec vous ce soir, honorons Dieu et célébrons la vie. Demain est un autre jour. Va-t-il nous arriver? Non. Ceux qui ont vu ce jour, parmi ceux-là, minuit ne nous trouvera pas, pour certains. Demain, ils ne verront pas demain. Beaucoup d'entre nous ne verront pas demain. Donc, demandons à Dieu de prolonger nos jours, qu'il nous accompagne dans ce combat, qu'on change de vie. Ne soyons pas méchants, ne soyons pas aigris, ne soyons pas égoïstes, soyons des partageux. Vivons ensemble. Rien ne vaut l'amour de vivre ensemble. Je vous demande vraiment, pardon, vivons ensemble. Vivons ensemble, il y a tellement de biens et de richesses que partageons même les biens ne finiront jamais. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001-551-666-1027. I love you, but God love you more. Thank you.